Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est assez particulier cette fois-ci. C'est une vidéo pour un petit peu vous motiver, un petit peu vous impliquer sur les events, un petit peu de Warframe. Et aujourd'hui on va voir un event qui a lieu en ce moment, qui va se terminer dans plusieurs jours. Donc c'est un petit peu short, mais ce n'est pas si impossible que ça d'y participer. Alors pour un petit peu consulter les choses, il suffit de vous rendre sur le site officiel. Tout simplement, c'est le Blade and Gun Challenge. Alors, comme ce n'est pas le premier, en général, l'article commence un petit peu avec l'ancien thème. Donc c'est un événement qui est assez facile, hein. Tout le monde peut y participer, ça n'y a pas de souci. Donc avec les gagnants un petit peu de la semaine d'avant. Et le thème du jour, donc alors c'est en anglais, donc je vais pouvoir, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, il n'y a pas de souci, vous pouvez suivre la vidéo du début à la fin, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le thème de cette semaine, c'est il est ici Blade and Gun Challenge Biological Warfare. Donc c'est plus ni moins que la guerre biologique. Donc vous devrez donc utiliser donc certaines armes en fait, en particulier pour faire vos captures d'écran. Ce concours là, c'est juste une capture, un concours de capture d'écran, avec pas mal de restrictions, notamment sur les armes importées. Vous serez donc limité aux taurides, aux phages, aux synapses, aux parasites concernant les armes primaires, l'acryl, l'emboliste, le tilis en armes secondaires, le dualicor, le scoliac ainsi que la mire en armes de mêlée. Pas de cubo, pas de sentinelle. Comment faire pour participer? Il vous faut deux screens. Un de votre équipement pour un petit peu prouver que vous n'avez pas de cubo, que vous n'avez pas tout ça. Et le screen en question. Donc il est possible jusqu'à deux screens, vous pouvez faire deux participations. Il faut notamment que ce soit donc sur des maps Grenier Asteroid ou Grenier Galleon. Donc ça, ce sont des niveaux qui sont accessibles très tôt dans le jeu. Et donc on vous donne des indications notamment sur comment vous serez noté de façon plus positive. Il dit donc que le plus de grenières qu'il y a sur le screen en train de mourir et le plus d'intérêt sera porté donc à cet event là. Donc il faut savoir aussi que, alors je l'ai raté, voilà, il est marqué no Photoshop, pas de Photoshop pour ce genre d'event. Vous ne pourrez pas modifier vos screens là-dessus. Et ça se termine au courant du 4 juin. Donc ça veut dire que dans 2 jours, ça sera terminé. Ça sera terminé. Donc vous avez quelques petits lots. Donc voilà, une fois, apparemment il y a des platines dessus. Donc une fois que vous avez votre idée, que vous avez l'arme que vous souhaitez utiliser, hein, vous avez ici les armes en question. Une fois les armes que vous souhaitez, que vous avez choisies, il suffit d'aller de remonter, hein, d'aller dans Community, Forum, et à partir de là, vous pourrez donc. C'est dans le premier, hein, c'est là, Blade and Gun Challenge. Alors le compte sur le forum officiel est strictement identique à votre compte in-game. Vous avez les mêmes identifiants, ça, il n'y a pas de souci. Ils sont liés les deux, il n'y a pas besoin de s'en créer un. Et puis voilà, il vous suffira donc de poster votre screen comme les d'autres gens l'ont fait, voilà. Il y en a qui ont utilisé le phage, hein, juste là. Donc il suffit de le poster à la suite, tout simplement. Donc voilà, donc si on devait un petit peu récapituler les critères,
Il y a des critères que vous ne pourrez pas échapper et puis d'autres sur lesquels vous devrez un petit peu réfléchir, à savoir donc faut que ça se passe sur une map Grinir, forcément, avec les armes que j'ai dit plus tôt et avec une petite préférence pour le plus de Grinir que vous aurez à l'écran avec votre arme, au mieux vous serez donc noté. Donc voilà. Ben merci à vous d'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao!